Je le disais donc, va comparaître le 19 avril et il ne sera pas cela. Et pas l'école, oui, Emma. Ah ben voilà. C'est la même chose. Merci, les plus républicains que toi. Oui, le 19, justement, un procès en référé, selon ses avocats, est prévu justement pour demander sa mise en liberté, enfin, leur mise en liberté provisoire, donc lui et ses anciens collaborateurs. Et c'est quand même... ça donne finalement une explication au fait que, semble-t-il, il devait comparaître devant la chambre d'instruction de la CRIEF hier vendredi, mais ils ne sont pas allés finalement parce qu'ils estiment que la procédure en référé que eux avaient déjà introduite devant la cour était plus avantageuse. En tout cas, c'est comme ça que je comprends les choses, plus avantageuse pour eux, parce que là, il s'agit maintenant d'une demande de mise en liberté provisoire. N'oubliez pas qu'au départ, c'était des gens qui étaient embarqués dans une procédure de flagrance, et le dossier est maintenant automatiquement réorienté en instruction. Évidemment, ça leur ouvre aussi la possibilité donc de demander une liberté provisoire. Leurs avocats donc ont communiqué là-dessus hier, non sans rappeler également ce qu'ils continuent de considérer comme étant les violations des droits de leurs clients, les violations de la procédure et bien entendu le bras de fer faire... donc qui se poursuit avec Ali Touré. Hein. Oui, ça se poursuit. On annonce une plainte d'ailleurs. Ce n'est pas sur le point de s'arrêter, j'allais en venir, ce n'est pas sur le point de s'arrêter parce que justement cette plainte est annoncée. Pour l'instant, est-ce qu'elle est arrivée? On n'en sait pas grand-chose. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils se sont pour l'instant limités à l'effet d'annonce. Maintenant, est-ce que la procédure du 19 permettra peut-être de mettre un peu d'eau dans le vin de chacun? Parce que si cette procédure se déroule, si cette audience se déroule correctement et que, en tout cas, pour l'avantage de la défense, finalement, Kassori et ses anciens ministres obtiennent la liberté provisoire, peut-être que ça peut mettre un peu d'eau dans le vin de chacun, permettre à la CRIEF de se réveiller et se coller aux procédures, mais aussi aux avocats peut-être de comprendre finalement que l'ordre est revenu dans la procédure et que tout peut se dérouler sereinement. Cette liberté, on peut s'y attendre, provisoire ? Nous sommes un peu dubitatifs en la matière. Vous savez que l'ancien ministre du budget est dans la même situation. Ses avocats ont demandé une liberté provisoire en procédure de référé. Ils sont actuellement à la Cour suprême et la Cour suprême a demandé qu'ils soient libérés. Et le monsieur le procureur, je crois, s'y oppose parce qu'il estime que la maison que le ministre a mise à la disposition pour garantir sa liberté est la caution. Et il faudrait qu'il évalue la valeur de cette maison. Et c'est tout à fait normal. Hein? Bon. Et je crois que les Kassori sont dans la même situation. Et on en sait très peu d'ailleurs sur ce qu'on leur reproche. Si ce n'est le vocable qu'on entend régulièrement, ils sont accusés de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Les avocats ont fait plusieurs conférences de presse, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, l'opinion ne sait pas réellement ce qu'on reproche à Kassori et compagnie. Et peut-être que le procureur aura le courage un jour de nous le révéler. Mais bon, le procès. Bon, les regards sont tournés vers mardi. Vous savez que la maison centrale est difficile à vivre. Et je crois qu'il trouvera le temps nécessaire pour que l'opinion soit située sur ce qu'on reproche à ses anciens premiers ministres. Mais une liberté provisoire, c'est pas quand même trop demandé. Hein? Mohamed Ali, on peut être dehors et la procédure peut continuer. Oui, mais vous savez, quelque part, moi, j'ai l'impression que le procureur Ali Touré est en train de jouer et sa crédibilité, la crédibilité de la CRIEF sur ce dossier de Kassori. Parce qu'après, on a l'impression qu'on a attrapé le gros poisson qu'il ne fallait pas prendre tout de suite. Vous savez, l'argumentation des avocats de la défense, c'est qu'ils n'ont plus de passeport, ils sont dans des activités politiques ici, donc ils ne peuvent aller nulle part. Pourquoi les mettre en prison si ce n'est pas juste pour montrer, effectivement, qu'on a le pouvoir de coercition et qu'on peut mettre qui on veut en prison? Et depuis que ceux-là sont en prison, on a l'impression que les autres ne font que défiler tout simplement. C'est-à-dire qu'on les appelle le matin, ils viennent devant les enquêteurs, ils restent toute la journée, parfois ils ne sont même pas auditionnés, après ils se retournent. Parce qu'après eux, plus personne n'est allé en prison. Et surtout qu'on ne sait pas réellement, vous l'avez rappelé, ce qu'on ne reproche. Mais Ali, vous voulez que tout le monde aille en prison à la fois? C'est ce qu'ils ont voulu, c'est pourquoi ils ont provoqué tous les dossiers en même temps. Mais les premiers qui sont allés là, sont allés comme
combien de fois avant d'aller alors en prison? Alors pourquoi on continue à appeler et à rappeler les autres? Parce que j'apprends que Damaro va bientôt aller en prison, parce qu'il a été, Damaro, puisqu'il va aller en prison, il a dénoncé Lounseni Camara, l'ancien de la CENI, qui bientôt aussi va aller en prison. Celui-ci aussi va dénoncer quelqu'un d'autre. C'est sur la base des dénonciations devant les enquêteurs qu'on appelle les uns et les autres qui défilent. Ça fait 2 semaines que Damantan, Bantama et les autres sont en train de défiler entre leurs maisons et puis, comment dire, cet endroit où ils sont auditionnés, comment on appelle, la direction centrale de la police, de l'investigation judiciaire. Donc ils défilent. Certains disent même qu'ils sont sous contrôle judiciaire d'une autre manière. C'est-à-dire que tous les jours, ils doivent venir obligatoirement pointer leur présence et après se retourner. Donc ce n'est pas forcément les auditionner. Je pense que le vrai dossier en réalité, c'est ce qui concerne Kassori. Si Kassori et les autres, à travers leur avocat, ils ont raison sur la CRIEF cette fois-ci, eh bien la CRIEF va prendre un gros coup. Parce que ça peut donner des arguments à tous ceux qui sont derrière pour dire que ce n'est pas du sérieux qu'on est en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire en sorte qu'ils aient tort. Hein, oui, non, je ne dis pas qu'ils ont tort. J'ai mon propre avis là-dessus, si vous voulez, je peux vous le donner tout de suite. Mais je vais revenir sur le fait que Emmanuel ait dit tout à l'heure que lui, il voit d'une autre certaine manière la sortie du président à dire « Ouais, CRIEF, n'ayez pas peur, foncez. » Moi, je trouve d'ailleurs qu'il ne devrait pas en réalité. Je trouve que c'est pour moi une sorte d'immixion du président de la transition dans le fonctionnement du judiciaire. Les gens, les magistrats, ils ont prêté serment. Ils n'ont à obéir qu'à leur serment. Donc, on n'a pas à les impressionner, on n'a pas à leur dire vous devrez être juste, vous devrez être... Ce ne sont pas des ministres de la transition. C'est des gens qui sont effectivement du pouvoir judiciaire. C'est eux qui savent ce qu'ils sont en train de prendre. Donc, je pense que la CRIEF a tout intérêt à aller normalement et surtout à réussir ce premier grand coup de filet. Parce que s'ils ne réussissent pas, leur crédibilité prendra un coup. Et pour terminer, moi je me demande si c'est la bonne méthode en réalité. En ce qui concerne les crimes financiers, est-ce que la justice carcérale est la solution? Ça me ramène à citer quelqu'un qu'on ne cite pas souvent et qu'on n'aime pas citer, mais ça m'a quand même donné à réfléchir sur ses propos quand Macanera disait, est-ce qu'on ne pouvait pas appeler ceux qui sont reconnus coupables et leur demander de payer tout simplement. Parce qu'en réalité, si quelqu'un vole et puis vous donne, eh bien vous êtes receleur. Et on a de récupérer l'argent. Justement, en tous les cas. Vous devenez receleur. Le problème, c'est que ceux qui sont là-bas... Il y a une sanction pénale derrière. Oui, c'est ça. Même si vous remboursez, il y a la prison qui est prévue. Oui, je sais. Il y a des faits. Oui, je sais. Je ne nie pas. Il a remboursé, mais il a fait la prison. Je ne nie pas. On ne peut pas voler, on rembourse et puis on est libre. Je ne nie pas. Mais si on devrait prendre tout le monde, et j'en viens à ce niveau pour terminer Arisato rapidement, je suis en train de dire que ceux qui sont là-bas aujourd'hui ont pris, certainement s'il est reconnu qu'ils ont pris, eh bien ils vont dénoncer ceux à qui ils ont donné. Donc ils ont des petits qui ont des petits qui ont des pénis qui pourraient être Emmanuel, qui pourraient être Lincoln, qui pourraient être Mobadé. Ils ont donné à un moment donné, donc on va citer tout le monde. On répondra. Nous passerons tous souvent la loi, nous serons tous derrière. Tu as aussi ces derniers. Et moi je suis en train de me faire. Un journaliste à tout cas risque. Non, c'est la réalité des faits, c'est ma façon de voir les choses. Non, mais moi je vais. Ce sont nos grands qui sont là-bas. Donc préparez-vous à toi. On a réussi.